Donc thème 1, document de bord et triangle. On va faire les triangles en premier. Pas besoin de les ouvrir complètement, on va juste ouvrir un petit peu, vérifier qu'il y a le triangle dedans. Donc là, le premier triangle, il est OK. Et le deuxième triangle, c'est pareil. Bien le triangle dedans. On va passer au document. Je conseille de prendre tous les documents avec carte grise, attestation d'assurance, etc. Et après, on fera le reste. Donc, j'ai la carte grise du véhicule EQ449DQ qui correspond bien à mon véhicule. J'ai mon attestation d'assurance qui est valable pour le même véhicule avec la même plaque, qui est valable jusqu'au 31/12/2023, avec la vignette d'assurance qui est la même. Donc là-dessus, c'est bon. J'ai le contrôle technique qui est favorable et qui est en date du 4 juin 2025, qui correspond bien à la même plaque d'immatriculation, avec la vignette à poser sur le pare-brise, donc qui est favorable. Ensuite, on passe à la remorque. Une carte grise avec la plaque d'immatriculation CF367BF qui correspond bien à ma remorque. J'ai mon attestation d'assurance pour la même plaque d'immatriculation qui est valable jusqu'au 31/12/2023. La vignette d'assurance n'est pas obligatoire à être apposée sur la remorque et je n'ai pas de contrôle technique pour une remorque. On va passer aux autres documents. J'ai bien le gilet audibilité, j'ai bien le constat amiable, j'ai bien la notice d'utilisation du véhicule, j'ai bien les pilotests et j'ai bien la carte routière de la Nouvelle-Aquitaine à l'échelle de 1 250 000. Donc là mon thème est terminé.